Bienvenue les gars sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la bêta 0.46. Les gars, je suis trop hypé. On va découvrir tout ce que Stumble Guys a ajouté. Et on commence les gars par la chose principale, et bien tout simplement une nouvelle map. Les gars, je n'ai encore jamais joué dessus, donc j'ai trop hâte. Chasse au trésor, donc manche 1 et manche 3, on sait pas ce que ça va être. Et manche 2, ça va être la nouvelle map les gars. Elle est trop stylée, donc là on va jouer en solo. Vous avez vu, il y a aussi une petite option jouer avec des amis, donc ça c'est vraiment cool les gars. J'ai trop hâte de découvrir cette map, je n'ai jamais joué. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pu tester cette map ou pas. Et les gars, je vous rappelle bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Les gars, si on atteint les 200 likes sur cette vidéo, je vous fais directement gagner un Stumble Pass sur mon serveur Discord, lien en description. Ok, bon, pour commencer, on commence sur Super Slide. Les gars, je me suis entraîné sur cette map, donc là on va tout défoncer. Vous allez voir, je vais faire un top 1 easy. Oh, j'ai pas les pseudos des autres joueurs, mais bon, c'est pas très grave. Je les avais désactivés pour la vidéo d'hier, donc la vidéo cache-cache. Ouh là là, si tu l'as pas encore vu, et ben va voir tout simplement toutes mes vidéos. Bon, ok, non, j'avoue que là j'ai pas fait le chemin le plus rapide, mais de toute façon les gars, c'est juste pour se qualifier la deuxième manche, donc c'est pas très important si j'arrive pas premier. Ok, allez, on va tranquillement. À part ça, en vrai c'est plutôt pas mal sans les pseudos, c'est... Ouais, c'est pas si dérangeant que ça, donc ça c'est cool les gars. Mais ouais, vraiment j'ai trop hâte de découvrir tous les nouveaux skins et tout le reste qui va avec. Oh non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi le raccourci. What? Ouais les gars, c'était tellement long, normalement on réapparaît plus vite, hein. Là, c'était vraiment long, mais allez, c'est pas grave, vous savez quoi, on va passer par au-dessus, on va arrêter de prendre des risques inutiles, et allez, on est parti. D'ailleurs les gars, on est bientôt 15 000 abonnés sur la chaîne, c'est juste incroyable, donc j'espère que ça va continuer dans cette lancée-là, et moi je continue à vous faire des vidéos tous les jours. Ok, let's go, c'est terminé la manche, les gars, j'ai trop hâte de cette nouvelle map. Allez, allez, ça tourne. Donc la seule chose que j'ai vu, c'est qu'apparemment, il y avait un système de pièces, et je crois que c'est celui qui a le plus de pièces qui remporte la manche. Donc, oh là là, les gars, la map est trop cool. La map est trop... Oh là là, allez, on va choper toutes les pièces, les gars. Oh, c'est sympa, les gars, les mises à jour. Comme ça, Stumble Guys, ces derniers temps, ils font plein de mises à jour. C'est vraiment cool. Oh non, je suis mort. Ok, bon, on perd pas nos pièces. Si on meurt, ça, c'est plutôt pas mal. On va explorer un petit peu tous les recoins. On va peut-être faire deux manches. On va y retourner après, mais je vais vous enlever la première manche. On va directement... Oh, what? Oh, ça m'éjecte. Oh, par contre, ça glisse, les gars. Ça glisse, je crois qu'il faut d'abord aller en haut et après, on peut choper toutes les pièces. Donc oui, on va refaire cette map, mais les gars, je vous couperai au montage la première manche. Je vais vraiment vous montrer que cette map parce que, bon, c'est ce qui vous intéresse. Okay. Oh, regardez toutes les pièces. Est-ce qu'il y a moyen de toutes les choper? Oh là là. Oh, c'est passé quoi, les gars? Pourquoi je suis passé à travers? Ok, bizarre. Ok, bon, il y a encore quelques petits bugs sur la map, mais bon, c'est marrant. Pour l'instant, je suis que 6ème, les gars. Ok, 5ème. Donc, en vrai, c'est... Il y en a des, ils sont forts sur cette map, hein. Là, je suis en train de récupérer toutes les pièces. Ok, non, ça va, je suis 2ème. Je suis en train de farmer les pièces sur le toit. On va en prendre une ou deux ici. Oh là là, il y a des bombes. Allez, on va tenter de faire un top 1 sur la nouvelle map. Bon, elle est assez longue, par contre, les gars, hein. Ça dure pas 20 secondes. Donc, où est-ce qu'il y a le plus de pièces là? Ça me semble pas mal. On va explorer un petit peu tout, les gars. Et après, on va découvrir les nouveaux skins. Je sais qu'il y en a des trop stylés qui vont arriver sur le jeu, les gars. J'ai trop hâte. Je pense à un skin, surtout en ce moment, c'est Smoke, les gars. Smoke, il est trop stylé, les gars. Dès qu'il y a une roue pour le débloquer, les gars, je dépense toutes mes gemmes. Hein. Je mets 100 balles dans le jeu s'il faut. Mais je vais débloquer ce nouveau skin, vous allez voir. Oh là là. Oh, on est premier, les gars. On est premier. C'est vrai qu'ici, il y a plein de pièces, hein. Bon, il y a le petit pirate aussi qui en ramasse. Attendez, on va voir ce qu'il y a au milieu ici. Ok, il y a un tremplin. Allez, on va le prendre. On va changer un petit peu d'endroit. Où est-ce qu'on n'est pas encore allé? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour déjà. On va retourner ici parce que c'est où on a spawn et on n'a pas fait grand-chose. Bon, cet endroit, j'ai l'impression qu'il est plus dur que les autres. Hein, parce que regardez, il y a ça qui tourne, il y a de la lave. Allez, il reste combien de secondes? Il reste 6 secondes, vite. Allez, 50 pièces, les gars, 50 pièces. Oh là là, let's go. Mais je suis même pas top 1 avec 50 pièces. Oh, je suis mort. Ok, bon, top 2, on est qualifié, les gars. Trop cool. Et dites-moi aussi en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette map? En vrai, je trouve que c'est très sympa d'ajouter un peu du nouveau avec un système de pièces et tout ça. Ça change un petit peu des autres maps. Après, je pense pas que ça rivalise quand même avec Block Dash et Laser. Mais ça reste une map très sympa comme Rush Hour. Vous voyez, Rush Hour, ça rivalise clairement pas avec Block Dash et Laser. Mais moi, franchement, les gars, je trouve que ça reste une map très sympa. Bon, du coup, vu qu'on est sur la bêta, les gars, je n'ai pas mes émotes ni mes skins. Donc, je suis un petit noob. Donc, allez, on va vite faire la finale. Et ensuite, pour la prochaine manche, les gars, on va refaire une partie. Mais juste sur la nouvelle map. Mais avant, il va falloir qu'on regarde tous les nouveaux skins. Ça va être incroyable, les gars. Mais bon, on va quand même faire le petit top 1. Donc, allez, on est encore 4 là. Oh non, plus que 3. Oula. Oh, ça, faut faire attention, les gars. Avec la caméra, regardez, on peut regarder derrière. Oh là là, il se passe quoi, les gars? Attendez, je vais essayer de re-regarder. Oh,
Les gars, vous avez vu ce qui s'est passé? C'était très très chaud. Juste parce que j'étais curieux de voir ce qu'il y avait derrière, j'ai failli mourir, les gars. Attendez, on va regarder. Je pense que vous avez déjà fait ça un petit peu. Bon, on est en finale contre le dernier. Oh là là, les gars, j'ai cru que j'allais mourir. Je vais essayer de le bloquer. Regardez, il va sauter. Ok, non. Ok, il va sur le tremplin. On va essayer de le pousser un petit peu. Hop, là, on va le déranger, on va le déranger. Il faut juste pas que je tombe, moi. Allez. Ok, il veut pas tomber, les gars. Il veut pas tomber. Il va prendre le tremplin. Oula. Oh, non. Non. Non, les gars, je suis mort. Oh là là, j'ai même pas gagné. Je suis mort contre ce noob, mais de toute façon, je m'en fous, les gars. Moi, je veux découvrir les nouveaux skins. Donc déjà, le Stumble Pass, bon, je crois que c'est pas un nouveau de ce que j'ai vu. Ouais, ok, on reste sur les mots coup de poing de feu et tout ça. On a rien de nouveau. Oh, c'est quoi ça, les gars? Découvrir les tenues personnalisées. Ok, c'est une nouvelle petite notification qu'on n'avait pas avant, donc trop cool que ça arrive en vidéo, comme ça vous découvrez aussi. Allez, on va d'abord commencer avec les nouvelles empreintes, les gars, donc qu'est-ce qu'on a? Dites-vous que je me suis pas spoilé, hein. Franchement, j'ai pas trop vu ce qu'il y avait de nouveau, donc ça c'est cool. Donc le smoke, oh là là, qui va avec le skin smoke incroyable. Waouh, ça c'est incroyable, les gars. Ça c'est stylé. Ça, ça passe. Bon, rien de plus intéressant que ça. Les petites animations, est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce que j'en vois une ici qui a l'air vraiment cool? Big Chicken, ok, pourquoi pas. Airplane, d'accord. Donc à mon avis, ça c'est des nouvelles, hein. Après je suis pas sûr. Danse H, oh, oh là là, quel style. Ok, les émotes, suspense, est-ce qu'il y a des nouvelles émotes? Donc ça j'en sais rien, les gars, hein. Je me suis pas plus renseigné que ça. On va découvrir ensemble, mais je crois pas. Ouais, effectivement, on garde les mêmes émotes pour l'instant. Et maintenant, les gars, on découvre les nouveaux skins. Allez, on commence par le bas et on va aller en haut. Donc, les gars, franchement, je vais les découvrir avec vous, hein, parce que moi, je sais pas. Parfois, les gars, je me trompe. Certains skins, je dis qu'ils sont nouveaux, alors qu'en fait, ils étaient déjà dans le jeu. Sauf que bah, je connais pas tous les skins. Vous voyez, par exemple, ceux-là, pour moi, c'est des nouveaux skins. Bon, j'en suis quasiment sûr, mais peut-être pas. Lui aussi, Disco Dylan. Donc, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Un petit viking, il est sympa, les gars, pour un skin inhabituel, franchement, il a un petit style. Bon, on va passer assez vite ici quand même, il y a des petits clowns, pourquoi pas. On va continuer, oh, Olafsson, il y a pas mal de petits trucs, les vikings, je pense qu'il nous prépare quelque chose, Stumble Guest, ça va être trop cool, les gars. Allez, là, qu'est-ce qu'on a dans les rares? Dans les rares, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ajouté grand-chose. On passe déjà dans les épiques, les gars. Oh là là, Robo Washington, oh, il est stylé, celui-là. Oh, robot, ok, il y a un délire avec les robots aussi. Donc ce skin, apparemment, il était déjà sur Stumble Guest, j'ai dit une connerie l'autre jour. Donc voilà, pardonnez-moi, les gars. Celui-là, du coup, je sais pas s'il était déjà sur le jeu. Donc je vais rien dire, les gars. Eux, je sais qu'ils étaient pas là. Bon, des petits vampires, rien de fou. Allez, on descend. Là, je vois pas de nouveau skin pour l'instant. On arrive dans les légendaires, les gars. On arrive. Oh là là, le nouveau... Non, je rigole, les gars. Avant d'écrire un commentaire, je sais que c'est pas un nouveau skin. Il y a la Golden Banana. Oh là là, celle-là, elle est stylée. Bon, celle-là, apparemment, elle se débloque si des streamers vous l'offrent. Il y a un délire comme ça. J'ai pas tout compris, mais en gros, c'est galère là. Bon. Oh, Inside Out. Ça, c'est un nouveau skin. Il est sympa, les gars. Oh, je l'aime bien. J'espère que je vais le débloquer dans les prochaines vidéos. Donc, vraiment, les gars, abonnez-vous, activez la cloche. Oh là là, on a plein de nouveaux skins. On a plein de nouveaux skins. Celui-là, il est quand même cool avec son petit chapeau. Là, on a un truc à la Minecraft. Pourquoi pas? Ok, là, on continue un petit peu. Bon, ils ont sorti quelques skins en métal. Je trouve pas forcément ça très beau. Juste, ils ont changé la texture. Ils ont mis un truc de métal. Je suis pas fan, les gars. Je suis pas fan, voilà, je le dis. C'est pas grave. Ils ont sorti plein de skins trop cool, hein. Donc, ça compense très bien. Allez, on descend. Oh, on arrive dans les skins spéciales. Oh là là, les gars. Je sais déjà, Smoke. Oh là là, les gars, les deux nouveaux skins spéciales, ils sont trop bien, les gars. Oh là là. Bon, celui-là, il est plus drôle, mais franchement, hâte de voir ce que ça donne en jeu. Et Smoke, les gars. Oh les gars, il me le faut, ce skin. Il me le faut dès qu'on peut, je vais le débloquer. Mais alors, d'une vitesse, les gars, vous allez même pas vous en rendre compte. Bon, en tout cas, c'est très sympa, toutes les nouveautés qu'il y a. Les gars, on va encore jouer une fois à la map. Je vous épargne la première manche et la dernière. Au final, les gars, on est tombé sur un petit Lavaland. Donc, en vrai, c'est une map vachement cool et qui va pas durer long. Donc, allez, je vous mets quand même cette petite manche pour vous parler un petit peu, les gars. Donc, ces prochains temps, comme d'habitude, les gars, je vais vous redire une fois les horaires des vidéos parce que j'ai un petit peu changé. Donc, en gros, lundi, mardi, c'est 15h05. Les mercredis, je vous sors les vidéos à midi pour tous ceux qui finissent l'école, à midi tout simplement.
Jeudi, vendredi, on continue à 15h05 et les week-ends, les gars, donc samedi et dimanche, je vous sors les vidéos à 9h du matin. Donc voilà, franchement, j'ai changé les horaires, les gars, c'est même pas pour moi, c'est vraiment pour vous permettre, les mercredis, par exemple, après l'école, d'avoir la vidéo, les week-ends, quand vous vous réveillez, vous avez les vidéos, voilà. C'est vraiment une question de pratique pour vous. Moi, en vrai, ça me change absolument rien quand je sors les vidéos, vu que je me prépare toujours un jour à l'avance. En tout cas, j'essaye pour vous les sortir à l'heure. Bref les gars, on part sur la nouvelle map, let's go, Treasure Island, j'avais pas vu qu'elle s'appelait comme ça, elle est cool. On va essayer de battre le record d'avant, donc j'avais reçu 50 pièces, donc à mon avis le plus rentable c'est déjà en premier d'aller vers l'iceberg et faire le toboggan, là-bas il y avait vraiment un max de pièces. Là on va vite fait tourner, hop, on se prend 4 petites pièces et vite les gars, il faut que je monte. Comment on était monté? C'était par ici, hein. Allez vite, on se dépêche les gars, on se dépêche, là on chope déjà 2 petites pièces, allez là le tremplin. Ok, je vais de quel côté les gars? Vous savez quoi? On va faire les deux côtés parce que ça, à mon avis, c'est vraiment l'endroit où il y a toutes les pièces quoi. Oh! Oulala, j'ai eu chaud. Allez, vite, on va prendre l'autre côté les gars. Et en tout cas, cette map les gars, je la kiffe bien. Ok, là, il y a deux petites pièces cachées en bas, on va aller la chercher après. Allez, oh là là, toutes les pièces. Ah bah non, ah oui, ici ça nous envoie sur le toit. Oh, dommage. J'ai pas réussi à y rester. Hop, là, on lui a volé les deux pièces devant son nez. Wouah ! Je me suis pris un gros canon dans la tronche. Allez, vite. Oh là, il y a plein de pièces. Oh là là, en vrai, les gars, il est marrant ce mode de jeu. Franchement, ramasser toutes les pièces comme ça, c'est assez satisfaisant. Allez, ici, j'en vois plein. Ça me fait penser un petit peu à Mario Kart à l'époque avec la DS et tout. Je sais pas si certains d'entre vous ont connu ça. Mais où faut ramasser les pièces comme ça, c'est assez marrant comme mode de jeu. Surtout, oh là là, mais les gars, j'ai éclaté mon score d'avant. Avant, j'ai eu 50 pièces. Regardez, là, déjà, j'en ai 50 alors qu'il reste encore 48 secondes, les gars. Par contre, ici, j'ai l'impression de me blinder de pièces. Donc, on va rester un petit peu ici. Hop, là, on récolte. Vite, là, les 3 petites pièces. Ok, nickel, on va changer d'endroit, là. On a mangé toutes les pièces. On pourrait aller où, les gars? Je pense qu'on va retourner dans ce petit biome-là. Ah oui, regardez, les gars. On va faire le toboggan en haut à droite pour récupérer toutes les pièces qui sont sur le toit. Donc là, on prend vite les 3 petites pièces. Allez, vite, faut que je me dépêche, les gars. Je suis pas assez rapide, là. Allez, vite. Dites-moi, les gars, votre record de pièces sur cette nouvelle map. Pour ceux qui ont déjà joué, j'ai bien envie de savoir s'il y en a des, ils ont réussi à avoir 100 pièces. Ça me semble énorme, les gars, mais en vrai, on sait jamais. Hein. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes des bons petits tryharders sur Stumble Guys, donc ça m'étonnerait même pas. Et j'ai raté, en plus, j'ai pas réussi à aller sur le toit. Oh là là, 80 pièces, les gars, franchement, c'est propre. 80 pièces, c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis assez content. On va quand même aller gagner la petite finale, à moins que c'est une map éclatée. Oh, let's go! On repart sur Rush Hour. Eh ben, allez, c'est parti. Dommage qu'il n'y a pas les émotes, parce que là, les gars, j'aurais fait un carnage. Mais bon, sur les prochaines vidéos, j'aurai de nouveau accès aux émotes. Et vous inquiétez pas que je vais fumer tout le monde. Mais allez, là, on va se qualifier. Après, ce sera la fin de la vidéo. En tout cas, trop cool, les gars. Stumble Guys, ces derniers temps, ils font plein de mises à jour. Je pense que le jeu, vraiment, il va vers le haut. Là, il devient de mieux en mieux avec des nouvelles maps, des mises à jour, des skins. Bref, il y a vraiment des choses à faire sur ce jeu, donc vraiment je le kiffe. Donc allez, on va continuer les vidéos tous les jours sur ce jeu tant que les vidéos vous plaisent les gars, et on va un jour les gars, je ferai des vidéos sur aussi autre chose que Stumble Guys, mais c'est en tout cas pas pour le moment. Là les gars, on va continuer encore plusieurs mois à mon avis sur ce jeu, moi qui a un gros problème, mais bon, je verrai pas pourquoi, parce que là c'est vraiment bien. Donc allez, il reste plus que 2 personnes, je pense, qui vont mourir. Ok, voilà, il y en a un qui est tombé, on va regarder le deuxième tomber. Allez, je sais que tu vas tomber. De toute façon, tu vas perdre. Pourquoi tu résistes? Ah là là, il veut pas lâcher, hein. Il veut pas lâcher, il va de droite à gauche. Et voilà, les gars, c'est le top 1 easy. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Pensez à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!